Suffrage exprimé 25, la majorité absolue étant de 17. Charles Aschlangul ayant obtenu 25 voix. Monsieur Charles Aschlangul ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés est proclamé maire de Bry-sur-Marne. Et Mesdames, Messieurs, chères Briardes, chers Briards, c'est avec une immense, une profonde et une sincère émotion que je prononce mes premiers mots comme nouveau maire de Bry-sur-Marne. Avant toute chose, je tiens à remercier les Briards qui nous ont fait confiance en élisant la liste Ensemble pour Bry que j'ai eu le privilège de conduire durant une campagne longue et à bien des égards difficile. Votre confiance m'honore et m'engage à désormais être à la hauteur de vos attentes. Soyez assurés que j'y mettrai toute mon énergie et toute ma détermination. Je veux aussi remercier ma famille et mon épouse. Je mesure la chance qui est la mienne de vous avoir et je veux vous dire combien je mesure la rudesse de ce qui vous a été imposé ces derniers jours de campagne. Je sais que vous en avez été beaucoup affecté, mais je sais aussi que cette épreuve intense a renforcé nos liens, si tant est que cela fût possible. Du fond du cœur, merci à vous. J'ai également une pensée pour tous les agents municipaux de Bry-sur-Marne. Je veux vous remercier, car dans cette transition, vous faites preuve d'un professionnalisme et d'un dévouement remarquable. Grâce à vous, les services publics continuent de fonctionner pour l'ensemble des Briards, dans le respect du principe fondamental de la continuité du service public. À titre plus personnel, comme nouveau maire, j'ai pu compter sur vous dès la toute première seconde. Vous avez su m'accompagner pour prendre mes marques dans ma nouvelle fonction au service des Briards. Je vous en remercie vivement et je veux vous dire que je serai toujours à vos côtés, vous qui êtes le cœur battant de la mairie. Et je sais que rien ne serait possible sans chacune et chacun d'entre vous. Merci à vous tous, agents municipaux de Bry-sur-Marne, et je vous demande de les applaudir. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des nouveaux élus municipaux. D'abord, bien sûr, les élus de la majorité municipale qui m'entourent à présent dans la lourde tâche de maire de Bry-sur-Marne. Je sais pouvoir compter sur vous pour mener à bien la difficile mais belle mission de la gestion municipale. Je suis heureux et fier de vous avoir à mes côtés. Je tiens à publiquement vous remercier pour votre soutien, votre énergie et votre bonne humeur perpétuelle qui a été si précieuse pour moi ces dernières semaines. Si précieuse. Merci. Je souhaite également la bienvenue aux conseillers municipaux d'opposition. Sachez que vous trouverez en moi un maire respectueux et toujours à l'écoute. Désormais, nous devons avoir un seul et même but, servir les Briards et Bry-sur-Marne.
Pour finir ce propos liminaire, je tiens à remercier le maire sortant, Jean-Pierre Spielbauer, pour sa présence. Ce faisant, vous marquez la continuité républicaine entre le maire sortant et le nouveau maire, comme l'ont fait avant nous nos prédécesseurs, dont le portrait orne le hall de cette enceinte. Je tiens à saluer votre engagement long de 30 ans pour la ville, dont 20 années comme maire, et je vous souhaite, ainsi qu'à votre épouse, une belle et heureuse nouvelle vie. Mes chers amis, le temps est venu. Le temps est venu d'écrire tous ensemble une nouvelle page de l'histoire de notre commune, de porter une nouvelle dynamique, un nouveau souffle pour Brie. Je suis honoré d'être celui que vous avez choisi pour incarner ce nouveau souffle. Vous le savez, je suis un enfant de Brie, et comme vous tous, je suis un grand amoureux de Brie-sur-Marne. Avoir l'honneur, en véritable enfant de Brie, de devenir maire de cette commune si chère à mon cœur, est une grande émotion pour moi. Notre amour commun de Brie est l'essence même de mon engagement municipal. J'aime Brie, car mes racines familiales sont ici, j'y vis depuis toujours, et enfin parce qu'avec mon épouse, nous nous y sommes mariés, et nous avons fait le choix d'y rester, pour y construire notre vie. L'enracinement est peut-être le besoin le plus profond de l'âme humaine. L'enracinement est peut-être le besoin le plus profond de l'âme humaine, écrivait Simone Veil. Et je n'y peux rien, mes racines sont ici, à Brie-sur-Marne qui accueille ma famille depuis près d'un siècle. L'histoire de ma famille, donc mon histoire personnelle, est intimement liée à Brie. Pour ne prendre qu'un seul exemple, lorsque le 26 août 1944, l'armée libérait Brie-sur-Marne. Les soldats se sont arrêtés au domicile familial, avenue Georges Clémenceau, où certains membres de ma famille coordonnaient discrètement des actes de résistance. Lorsque vous êtes enfant, que vous apprenez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la libération de votre commune, et que vous avez dans les mains des clichés de ce fameux 26 août 44, sur lesquels vous y voyez avenue Georges Clémenceau, à Brie-sur-Marne, vos arrière-grands-parents gaullistes et les soldats libérateurs, cela marque et cela renforce inconsciemment, mais de façon irréductible, votre lien avec la commune. D'ailleurs, en cet instant où je deviens maire de Brie-sur-Marne, j'ai une pensée particulière pour un homme, M. René Levavasseur. René Levavasseur était un de ces gaullistes de Brie-sur-Marne sous l'occupation. Il est ensuite devenu premier adjoint au maire de Brie-sur-Marne de 1959 à 1971. Il était un homme respectable, respecté, et lui aussi profondément attaché à notre belle commune. Il était mon arrière-grand-père, et je suis très heureux de pouvoir lui rendre hommage ce jour en devenant le maire de Brie-sur-Marne. Naturellement, en disant cela, je n'oppose pas anciens et nouveaux briards. Ce serait inconséquent, et d'ailleurs, notre majorité municipale le démontre avec des briards de tous les horizons, enracinés, ou de nouveaux briards tombés sous le charme de notre belle ville. Je dis simplement, et c'est naturel, que j'ai tiré de mon enracinement briard un profond attachement à la ville qui s'est traduit dans le sentiment d'une forme de devoir moral, celui de m'engager pour Brie. Mais pas seulement. Mon attachement à la ville n'est pas que moral et abstrait. Il est incarné, il est charnel. Tous mes souvenirs, de la petite enfance à l'âge adulte, sont ici. J'ai été à la crèche Georges Clémenceau, à la maternelle Jules Ferry, à l'école primaire Henri Cannes, au collège Henri Cannes. J'ai joué dans ce gymnase Félix Faure. J'ai été membre du club de judo, de karaté, puis, comme beaucoup d'enfants de l'époque, du club de foot, le FC Brie. J'ai vécu à Brie mes premières amitiés, mes premières amourettes, mes premiers chagrins aussi. J'ai eu la chance, au gré des événements de la vie, d'habiter tous les quartiers de la ville. Pas une rue où je n'ai pas un souvenir. Pas une rue briarde qui n'ait pas été, même furtivement, le décor et le théâtre de mes jeunes et moins jeunes années. J'en tire une connaissance précise de chacun de vos quartiers, leurs atouts et leurs besoins. Et naturellement, là encore, j'en tire un attachement profond à tout le territoire. Voilà résumé l'origine de mon engagement, l'amour de Brie conjugué au passé, au présent et au futur. Et si je vous dis cela, c'est pour vous dire que mon ambition comme maire est de placer l'amour de Brie au cœur du mandat qui s'ouvre.
Mais ces raisons subjectives ne suffisent pas. Même si je crois qu'on ne comprend rien à un engagement aussi fort, être maire, sans en assumer les raisons intimes, sa part de subjectivité, il est aussi des raisons objectives qui l'expliquent. Comme maire de Brie-sur-Marne, j'ose affirmer qu'objectivement, elle est une ville extraordinaire qui mérite qu'on s'engage pour elle. Elle est une charmante ville, résidentielle, avec l'âme d'un village. Brie-sur-Marne jouit d'un cadre de vie exceptionnel, avec son tissu pavillonnaire, ses espaces verts et cette magnifique coulée bleue qu'est la Marne. Cette ville, à échelle humaine, permet une véritable vie locale, à la différence des grands pôles urbains où règne l'anonymat et l'isolement. Brie-sur-Marne jouit d'une situation géographique idéale en étant proche de Paris, mais loin de ses nuisances. Enfin, elle présente des perspectives incroyables de développement par cette proximité avec la capitale et la présence sur le territoire notamment de l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, et des studios de cinéma. Voilà objectivement ce qui fait de Brie une ville pour laquelle nous devons nous engager, car elle le mérite. Mais ce que je viens de vous exposer fait tout autant la force de Brie-sur-Marne que sa fragilité, sinon un véritable point de vigilance. Je veux parler de la dialectique qui existe entre préservation du cadre de vie et développement. Dialectique qui sera tout l'enjeu de la politique municipale à Brie-sur-Marne pour les prochaines décennies. Il faut accompagner la ville dans son évolution naturelle et souhaitable, tout en choyant son identité et son cadre de vie. Ce souci du juste équilibre est, vous le savez, tout le sens de mon action municipale depuis 12 ans. Et il guidera la politique que j'entends mener comme maire de Brie-sur-Marne. En cette année 2020, Brie-sur-Marne est à la croisée des chemins. Soit elle se fond dans la masse de la métropole du Grand Paris et ses millions d'habitants, soit elle transforme cette nouvelle organisation territoriale en opportunité pour se développer tout en conservant sa singularité. Mon ambition pour Brie est d'inscrire la ville dans le XXIe siècle avec, chevillée au corps, la volonté de préserver l'âme et l'identité de notre belle ville. Comme maire, ma vocation sera donc de défendre la ville dans toutes les instances de décision. D'abord, bien sûr, par mes choix politiques au sein du conseil municipal, mais aussi par ma mobilisation permanente au territoire et à la métropole. Rassurez-vous, dans ce combat, je ne serai pas seul. D'abord, je suis fort de votre soutien, qui me permettra de me lever et de porter votre voix partout où il le faudra. Mais je peux compter aussi sur de nombreux collègues du Val-de-Marne, dont notre député Gilles Carrez, député de Brie-sur-Marne, Christian Cambon, notre sénateur du Val-de-Marne, et je vois, et je les en remercie, de nombreux élus présents, M. Martin, le maire de Nogent-sur-Marne. Je vais faire des impairs, donc je vais plutôt éviter cette liste à la Prévert, mais je remercie l'ensemble de mes collègues élus du Val-de-Marne qui, sachez-le, seront à mes côtés pour m'aider à porter votre voix et défendre vos intérêts. L'un des enjeux majeurs du mandat sera de limiter la bétonisation. Alors, dans notre programme, nous avons été parfaitement clairs. Il faut respecter la loi et le charme de la ville. Comment faire? Il va falloir réduire le rythme et le nombre de constructions à Brie-sur-Marne en logements dédiés à l'accession. Car vous le savez, la loi impose 25% de logements sociaux qui sont calculés sur le parc immobilier global. En conséquence, plus vous permettez de construction, plus il faudra construire de logements sociaux. Plus vous bétonnez, plus il faudra bétonner à nouveau. C'est, pardonnez-moi l'expression, le serpent qui se mord la queue. Mon intime conviction est qu'une ville comme Brie-sur-Marne doit prendre toute sa part dans la production de logements sociaux et doit donc respecter la loi. Mais cela ne doit pas et ne devra jamais se faire au détriment de votre qualité de vie. Si j'insiste autant sur ce sujet depuis des années et ce matin devant vous, c'est que l'urbanisme est la clé de voûte de toute la politique municipale. Cela a un impact sur la circulation, sur le stationnement, sur le besoin en équipement public, les crèches, les écoles, les salles municipales, sportives et culturelles, sur la sécurité, sur l'environnement, sur le cadre de vie, etc. En somme, c'est la politique d'urbanisme qui conditionne le bien-vivre à Brie. Pleinement conscient de cette réalité, j'entends être un maire protecteur de votre qualité de vie en menant cette bataille difficile mais indispensable d'une urbanisation maîtrisée. Sur ce sujet,
nous avons appris avec stupeur, hier soir, à 18h47 précisément, que le préfet du Val-de-Marne lance une procédure de constat de carence de la ville de Bry-sur-Marne pour non-respect de ses engagements et de ses objectifs triennaux. Cela illustre parfaitement le combat qui est le mien depuis des années. La mise en carence voulue par l'État reviendrait à laisser l'État construire à notre place en retirant la compétence au maire. Je rencontre, sachez-le, le préfet du Val-de-Marne dans les jours prochains pour défendre notre ville et lui présenter une stratégie qui devra répondre à cette situation lourdement dégradée. Mais j'ai confiance dans notre nouvelle équipe municipale pour parvenir à résoudre cette entrée en matière totalement inattendue. Ce combat se mènera aussi au niveau du territoire, puisqu'à la mi-mandat, vous le savez, nous aurons un plan local d'urbanisme intercommunal qui remplacera l'actuel plan local d'urbanisme. Enfin, sachez que je ferai partie de ces maires qui se mobilisent au niveau métropolitain et au niveau national pour que la compétence d'urbanisme revienne de nouveau aux maires. Il faut rompre avec ce millefeuille administratif qui éloigne toujours plus les décideurs des Briards. Là encore, j'y mettrai toute mon énergie. Bien sûr, je ne réussirai peut-être pas toujours, mais je vous fais une promesse en cet instant où je deviens le nouveau maire. Je m'engage solennellement, en cet instant, à toujours penser à votre intérêt et à tout faire pour préserver votre cadre de vie. Enfin, durant ce mandat qui s'ouvre, nous répondrons aux problématiques du quotidien, le stationnement, la sécurité, la circulation, les commerces, la propreté, le développement durable, la transition écologique, les seniors, la culture, la jeunesse, les sports, l'enfance, etc. À cet égard, la philosophie qui m'anime est de poursuivre ce qui fonctionne. La philosophie qui m'anime est de poursuivre ce qui fonctionne et d'améliorer ce qui doit l'être. La vie publique manque cruellement de mesure. Nous l'avons vu ces dernières semaines. Il nous faut retrouver le sens de la mesure, poursuivre ce qui fonctionne et améliorer ce qui doit l'être. Pourquoi ? Parce que ce serait une défaite de la pensée, une défaite de la pensée, d'affirmer que le maire sortant a tout réussi, comme ce serait une défaite de la pensée d'affirmer qu'il a tout raté. C'est pourquoi j'assume pleinement une forme de continuité dans une dynamique de renouveau. Je souhaite que chacune et chacun d'entre vous trouve la possibilité d'un parcours de vie heureux à Bry. Voilà le rôle que je m'assigne comme maire, permettre le bien-vivre à Bry, de la petite enfance au bel âge. Voilà les grands et beaux défis qui se présentent à nous. Préserver le Bry que nous aimons, bâtir le Bry de demain, penser la ville dans cette grande dynamique et incarner une politique de proximité qui répond aux enjeux de votre quotidien. Alors pour y parvenir, j'ai demandé cette semaine à la majorité municipale de consacrer les prochains mois à la réalisation d'un rétro-planning qui devra anticiper toutes les réalisations que nous voulons porter durant le mandat. L'idée n'est pas de tout lancer en même temps, mais d'être efficace en ayant des objectifs parfaitement définis à l'avance pour que chaque secteur de la vie municipale soit au clair sur ce qu'il doit faire durant le mandat. Ce travail indispensable de rationalisation de la politique municipale devra être terminé à la fin de l'année 2020, pour que dès 2021, nous puissions lancer des grands projets. En parallèle, nous allons lancer un audit des finances pour savoir, au centime d'euro près, où nous en sommes. Sur ce point, j'ai un engagement très clair. Nous n'augmenterons pas les impôts. Cela veut dire que pour pouvoir investir, nous allons devoir entamer une réduction des dépenses de fonctionnement. Ce chantier important devra être entamé dès cette année et j'ai d'ores et déjà demandé au futur adjoint aux finances, adjoint au maire aux finances, de préparer une première lettre de cadrage qui ira en ce sens. Une fois le rétro-planning réalisé, le bilan financier parfaitement connu et la dynamique de réduction de dépenses de fonctionnement engagée, alors nous pourrons nous projeter pleinement dans la réalisation concrète de notre programme. De manière plus urgente, en revanche, nous lancerons dès cet été la mise en place de notre plan de relance municipale pour répondre aux conséquences économiques et sociales de la crise du Covid-19, mais aussi pour anticiper un potentiel retour du virus à l'automne prochain. Bref,
vous le mesurez avec moi, la tâche est lourde. Elle est lourde, mais elle est passionnante, et je suis très heureux de pouvoir, dès lundi, me mettre au travail pour vous, pour Brie. Pour finir, un mot sur l'état d'esprit qui m'anime, maintenant que je suis maire de Brie-sur-Marne et que le conseil municipal est installé. Le temps de la campagne est révolu, celui de l'apaisement, de la sérénité et du rassemblement est venu. Brie-sur-Marne est pour nous tous une bouffée d'oxygène dans un monde frénétique et excessif. Aussi, j'appelle de mes voeux à ce que les fractures d'hier se referment et que la douceur de vivre à Brie-sur-Marne renaisse. Vous pourrez toujours compter sur moi pour œuvrer en ce sens, car je ne suis plus l'homme d'un camp, mais le maire de tous les Briards, de l'ensemble des Briards. Je vous remercie. Pour finir, je voulais vous faire deux annonces pour cette mise en route, puisque dès lundi, nous serons au travail. Conformément à mon engagement, j'ai demandé aux services municipaux, et nous allons activer cela en début de semaine, de mettre en place les inscriptions, excusez-moi, pour la brocante. La brocante avait été annulée. Nous lançons les inscriptions et nous organiserons la brocante à la rentrée avec le forum des associations également, qui est finalement maintenu. C'était une promesse de campagne. Je voulais vous le dire dès aujourd'hui. Je respecte ces promesses et nous organiserons cette remise en route de la vie locale pour que tous ensemble, nous puissions aller vers des jours heureux, avec bien sûr une clause de revoyure 10 jours avant la brocante et le forum des associations, pour être certain qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y ait pas de problème sanitaire. Et pour terminer, sachez que vendredi prochain, lors du conseil municipal, du premier réellement conseil municipal où nous aurons vocation à travailler pour Brie-sur-Marne, nous présenterons une délibération d'abandon du projet Clémenceau. C'était l'engagement le plus fort de ma campagne. La délibération est prête.